SELRAD Aujourd'hui, quand on utilise le mot gothique, c'est aux cernes sous les yeux, aux vêtements sombres et aux bracelets à pointe que l'on pense d'abord. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant d'être ce style noir et mélancolique, qui a fait la célébrité de Tim Burton ou de Marilyn Manson, le gothique était tout autre chose. Le mot gothique dérive du nom Goth, désignant un peuple germanique de la fin de l'Antiquité. Barbares venus du nord, les Goths se sont divisés en deux branches, les Visigoths et les Ostrogoths. Ennemis de l'Empire romain occidental, ils ont largement participé à son déclin. Le sac de Rome par les Visigoths en 410 sert d'ailleurs en général de borne chronologique pour marquer le passage de l'Antiquité au Moyen Âge. C'est dire si pour le monde civilisé il représente la barbarie, la violence et l'inculture. Le mot Ostrogo est d'ailleurs resté dans notre langue synonyme d'impoli ou de sauvage. Que tu sais, Alaric, je crois qu'on a mauvaise réputation. L'ego n'ont donc pas grand chose à voir avec nos gothiques actuels. D'autant plus que pour l'instant, on parle d'un peuple et non d'un style. Les premières mentions d'un style gothique apparaissent dans l'Italie de la Renaissance. Le gothico désigne alors principalement l'architecture française du Moyen-Âge, dont le modèle s'est répandu dans l'Europe entière. À ce moment-là, le terme est péjoratif. Par exemple, sous la plume d'un Vasari, chantre de l'art italien et du retour au style antique, le gothico c'est l'art des Goths, des barbares du Nord, et le fait que celui-ci soit répandu jusqu'en Italie, c'est comme une nouvelle invasion. Le terme apparaît donc dans un contexte, disons, nationaliste. Le gothique est ainsi un repoussoir pour les artistes italiens. Il est pour eux le symbole des âges sombres dont ils prétendent sortir en retrouvant le savoir antique. Et il est associé aux peuples du Nord qui ont fait tomber le seul véritable modèle de civilisation à leurs yeux, Rome. Rompre avec le gothique, c'est donc pour eux un moyen de restaurer la grandeur perdue de l'Italie. Ce style gothique, si décrié par les Italiens, est assez éloigné du nôtre. Loin d'être sombre ou mélancolique, l'art gothique incite plutôt à la joie. C'est d'ailleurs tout à fait logique, puisqu'il s'agit d'un art avant tout religieux. On ne voit pas pourquoi les moines qui rédigent et enluminent les manuscrits précieux voudraient effrayer leurs rares lecteurs. De même, on imagine mal un évêque réunir des sommes considérables pour faire bâtir un édifice inquiétant. Les cathédrales gothiques n'ont en effet rien d'effrayant à leur apparition. Construites en l'honneur de Dieu, pour lui rendre hommage, ce sont surtout des exploits techniques, rendus possibles par l'utilisation d'innovations architecturales comme l'arc brisé, la croisée d'ogives et l'arc-boutant. Elles s'élancent ainsi vers le ciel pour impressionner les fidèles qu'elles doivent accueillir. Le rôle est aussi de séduire. Aussi leurs façades sont-elles polychromes, couvertes de couleurs vives et variées. Quant à l'intérieur, il est vaste, aéré, empli de la lumière que laissent passer des vitraux finement ouvragés. Et puis ces édifices coûtent extrêmement cher, ce qu'il s'agit de montrer. Chaque nouvelle cathédrale se doit donc de surpasser la précédente, d'être plus haute, plus belle. À travers elles, les villes qui financent ces constructions ne veulent pas seulement rendre hommage à Dieu. Elles cherchent aussi à se distinguer aux yeux de leurs voisines. Ainsi, dans l'ensemble, l'art gothique se caractérise surtout par la richesse de ses ornements, allant jusqu'à la surcharge dans sa dernière période. Ce sont d'ailleurs ces traits stylistiques qui sont critiqués par les artistes de la Renaissance. Ils y voient du désordre et du grotesque, eux qui prônent l'équilibre et la sobriété à l'antique. Coloré et flamboyant, ce style médiéval que l'on appelle gothique est donc bien éloigné d'une autre. Sous l'influence italienne, le terme gothique reste largement péjoratif jusqu'au XVIIIe siècle inclus, les conceptions italiennes sur l'art étant devenues le modèle à suivre pendant plus de trois siècles. Mais avec la montée du nationalisme, naît dans toute l'Europe une volonté de redécouvrir son patrimoine. Chaque nation cherche à définir sa culture et à l'affirmer. Dans un retour de balancier, ce sont cette fois les peuples du Nord qui se sentent dépossédés de leur culture. Ils cherchent donc à la retrouver. Le modèle gréco-latin, jusqu'alors hégémonique, est donc remis en cause un peu partout. On s'intéresse ainsi de nouveau aux mythologies païennes, celtes ou germaniques, et aux récits de la chevalerie arthurienne. Le regard porté sur l'architecture médiévale change lui aussi. On la redécouvre, on la restaure, et on commence à la protéger. Et même au Royaume-Uni et aux États-Unis principalement, on en reprend les traits caractéristiques dans ce que l'on appelle le néo-gothique. Jadis perçu comme le vestige d'une époque de barbarie, le gothique est désormais le monument glorieux de la nation. C'est dans ce contexte que le regard sur le gothique commence à se rapprocher d'une autre. Le Moyen Âge est en effet une source d'inspiration pour les artistes du XIXe siècle, notamment pour les romantiques, qui s'en emparent pour régénérer leur art et rompre avec l'idéal de beauté classique jugé trop rationnel. La référence au Moyen Âge leur permet ainsi d'explorer de nouveaux territoires, d'oser le bizarre, de créer le mystère et de susciter l'inquiétude. Dans l'art médiéval, il voit aussi le symbole d'une époque révolue, d'une simplicité originelle à jamais perdue, de mystères ignorés prêts à ressurgir, et du temps qui inexorablement détruit toute chose. Projetant ainsi sur l'art médiéval un regard teinté de rêverie sombre et de mélancolie, les romantiques en produisent des représentations qui l'associent durablement à ses sentiments. Avec le temps, celles-ci sont devenues classiques, presque des clichés et notre regard en porte encore la trace. Cela nous rapproche de notre conception du gothique, mais ce n'est pas tout. Le goût du XIXe siècle pour l'étrange et l'irrationnel favorise également l'apparition d'un nouveau genre littéraire, le fantastique. Et ses principaux représentants, Théophile Gautier, Bram Stoker, Edgar Poe, Guy de Maupassant, Marie Shelley, utilisent l'architecture gothique comme décor de leurs histoires, associant irrémédiablement celle-ci au spectre, aux spectres, aux goules et aux vampires. Évidemment, cela n'a fait que s'amplifier avec l'apparition du cinéma, qui dès les années 20 commence à adapter des classiques de la littérature fantastique comme Dracula ou Frankenstein. Pour ce faire, on crée des décors qui rappellent l'architecture gothique, et on utilise des polices d'écriture qui évoquent les manuscrits médiévaux. Ainsi, le gothique se voit-il définitivement lié aux morts-vivants et aux vampires, ainsi qu'aux atmosphères horrifiques qui les accompagnent. Le cinéma n'a depuis jamais cessé de recycler cette imagerie, comme l'exemple de Tim Burton le montre bien. Et d'autres domaines, comme la musique ou la mode, se sont emparés de cette esthétique qui perdure encore de nos jours. Ferveur religieuse, rejet d'un style pour en imposer un autre, revalorisation mélancolique, appropriation romanesque et cinématographique, voici les principales étapes qui ont conduit à notre utilisation du mot gothique. Il nous reste cependant un dernier facteur à évoquer. Car si le regard sur l'architecture gothique a changé, ce n'est pas uniquement pour les raisons dont nous avons parlé. Le passage du temps n'a pas été tendre avec l'architecture gothique. Nous avons dit que les façades étaient jadis polychromes et chatoyantes mais l'usure a fait disparaître ces couleurs, et aujourd'hui il n'en subsiste presque aucune trace. Et si les cathédrales sont des lieux sombres à nos yeux, c'est aussi parce qu'elles le sont réellement devenues, à cause de la pollution générée par l'industrialisation. Les pierres blanches ou peintes ont fini par être recouvertes d'une couche noirâtre qui a contribué à changer notre regard sur ces édifices. Concluons donc en remarquant que, dans le domaine des arts, l'existence d'un style a parfois des causes inattendues. Alors, ça te fait quoi d'être en quelque sorte mon héritier Je <laughs> sais pas. Et toi, d'être mon ancêtre, ça te fait quoi Euh... Eh ben... Oh, wow, ça me déprime. Cool...